Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc là on n'est plus en Bretagne, on est dans le 66, on est dans les Pyrénées-Orientales. Je suis ici en vacances pour une semaine, une bonne grosse semaine. Donc ça va être l'occasion d'aller à la pêche. Donc je connais pas mal la région parce que j'ai fait mes études par ici. Donc là on est parti sur une petite rivière. Là par contre j'ai jamais pêché dessus, je connais pas du tout. Ça m'a l'air pas mal. Voilà, je pense que je vais commencer avec une cuillère, hameçon simple pour débuter la pêche. Et on va voir ce que ça donne, on changera peut-être si ça va pas comme d'habitude. Et voilà, on y va tout de suite, je vous laisse avec les images. Et voilà, on espère prendre quelques truites. Allez, c'est parti. Donc voilà, la rivière passe juste là. On va essayer de faire des petits trous comme ça en passant la cuillère dedans. On va voir comment c'est plus haut, peut-être qu'il y a des plats plus intéressants à pêcher. Et voilà, ça m'a l'air pas mal du tout, l'eau est assez claire. Et puis allez, c'est parti hein. J'ai un poisson, putain. Bon, attendez, j'étais trop loin de l'eau, je pensais pas, j'ai fait un petit test. Bon, voilà, première truite, hein, premier lancer, deuxième lancer. Hop. C'est une belle petite fario. Ça s'annonce pas mal. Hop. Regardez ce magnifique poisson, cette belle tache là. Super. Bon allez, on va la remettre. Première truite, doit faire 20 cm par là. Ça suit. Ça suit, mais c'est tout petit. Oh oui, elle est belle celle-là. Oh, elle est belle, elle est noire. Elle est toute noire. Il y a une truite toute noire qui est sortie de l'ombre là-bas. On va essayer de la reprendre. C'est derrière, tout petit, toute petite. Ouais. Des fois, c'est les plus petits trous. Voilà, loupé. En fait, qui me fait chier à pêcher là-bas depuis tout à l'heure, en fait, elle est juste là. On va essayer de décrocher. C'est à peu près le même calibre que la première. Loupé. Putain, l'hameçon simple. Ah, on loupe. Hein. Et une fois qu'elle a touché ici, c'est fou. Tu vois. Ouais. Minuscule. On a pas mal sur ce spot. Ouais. Toute petite, il y a beaucoup de petites. J'essaie de les ramener vite. Bon, celle-là, on va pas la sortir. On va pas la mettre dans l'épuisette, elle est toute petite.
Voilà, ça c'est vraiment un bébé. Hein. Allez, on va la mettre juste là, hop. Cachée. On va avancer un peu. Ils sont là, c'est sûr qu'on va pas faire des poissons immenses, mais on peut quand même tomber sur des belles bêtes. Hein. Il faut pas. Ouais, je disais, il y en a des pas grosses, mais si on tombe sur des trous intéressants, on peut vraiment tomber sur des. Je pense des poissons sympas. Ils font largement la maille. Intéressant comme ça où il y a beaucoup plus de profondeur. À mon avis, c'est là qu'on va pouvoir trouver des poissons un peu plus gros. Oh là là, voilà. Là, il y a eu grosse tape. J'ai eu le temps de rien faire, hein. Même pas le temps de ferrer ni rien. Et une fois que ça a touché, c'est foutu. Bon, une troisième, ça faisait longtemps que j'avais pas eu de touche. Et elle est encore minuscule celle-ci. Elles ont la marque là. La marque, une petite marque bleue et toujours les rayures. Allez, les petites comme ça, on les relâche direct. Bon, j'ai un peu moins de touches, donc j'ai changé de leurre. J'ai mis un petit. C'est un petit leurre là de chez Caperlan. Petit poisson nageur, j'ai mis des hameçons simples sans ardillon. On va essayer avec ça, voir si ça donne mieux que la cuillère. Une, elle est tombée dessus là-bas dès que l'heure est tombée dans l'eau. Elle n'a pas osé attaquer. Je sais pas si c'est le meilleur leurre là que j'ai. Peut-être changer de leurre. Bon, j'ai changé de leurre encore une fois. Je suis passé sur une cuillère encore. Toute dorée cette fois-ci. Numéro 1. On va voir ce que ça donne. Le poisson nageur, ça a rien donné, ça a même fait peur au poisson, j'ai l'impression. Voilà, direct, ça fait 3 fois que je passe avec le poisson nageur, j'ai rien. Là, il y a une belle qui est sortie du caillou, loupé. Je me demande si je vais mettre des cuillères peut-être même plus grosses. Peut-être que le doré, là, ça va mieux aller que la couleur un peu noire de tout à l'heure aussi. Elle a sauté dessus. Vous l'avez vu? Ah, j'ai rien senti. Hein. Ouais. Celle-là. C'est la plus belle tête depuis le début. Hop là. Ouais.
Alors, je vais descendre ici pour celle-ci. Voilà, une petite encore. Hop. Bon, on va en profiter d'être là dans l'eau pour passer là. Ouais. Oh, loupé! On a pas mal sur ce secteur là. Ouais. Loupé. On a vraiment pas mal dans les courants ici. On va aller voir juste au-dessus là. Oh. Je sais pas si c'est un caillou ou un poisson ça. Voilà, sur les cailloux, celle-ci, pas le top. Voilà, petite encore. Hop. Oui, celle-là. Il faut pas la louper, celle-là. Ah, la voilà. Celle-là, c'est la plus belle. Bien fait d'insister ici. Là, voilà le plus beau poisson de la session là, sur la fin. Je suis redescendu un peu plus bas sur la rivière, là où j'ai commencé, et au final ben, juste en dessous de mon point de départ. Magnifique, regardez moi ce poisson. Bon, voilà, c'est la fin de cette vidéo. On aura pris pas mal de truites. On aura fini par une jolie truite d'ailleurs, juste avant de finir, juste avant le point de départ où on avait commencé ce matin. En fait, je me suis dit que j'allais redescendre un peu parce que j'avais pris des jolies truites et des jolies loupées au tout début. Et bien, ça n'a pas loupé juste en dessous du point de départ où j'étais un peu plus haut. Et bien, j'ai pris une belle truite pour finir, donc c'est cool. Sinon, on en a pris pas mal. On commençait à en prendre pas mal en arrivant assez haut sur le parcours. Donc voilà, c'était cool. N'hésitez pas comme d'habitude à liker la vidéo, à vous abonner si ça vous plaît. Et on se retrouve très vite pour d'autres vidéos. Je pense que je vais tourner pas mal de... Enfin pas mal. Je vais essayer d'en tourner d'autres, des vidéos ici, en pêchant la truite. Voilà, donc il y en a sûrement d'autres qui vont arriver dans les vidéos à suivre. Sur ce, je vous dis à bientôt. On se retrouve très vite pour d'autres vidéos. Allez, salut.